よし、行くぞ、岬くん。おう、翼くん。勝負を決めるのは一瞬の駆け引きだ。Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien ce lundi matin 29 juillet où il fait vraiment super beau et on est en plein dans les JO. Bien sûr, on est derrière la France, on espère qu'ils vont ramasser un max de médias, etc., 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 etc. Voilà, bref. Oui, donc j'espère que vous allez bien. Donc on est là, bien sûr, vous savez, on a eu l'annonce du Super Dream Fest, Misaki et Mizugi, donc qui vont arriver respectivement demain et après-demain. Donc il y a pas mal à dire sur les persos, donc vous me connaissez. On a eu aussi pas mal de news qu'on va balayer en tout premier abord. Et ensuite on va enchaîner donc l'analyse des persos, la petite conclusion comme d'habitude. Vous commencez à connaître le format. Voilà. Juste avant qu'on commence, je vous ai promis une vidéo tuto sur certains mécanismes du jeu, comme le marquage défensif, etc. Ça me prend un petit peu de temps, histoire que ce soit bien propre, tout ça, donc je vais la sortir très très bientôt, donc c'est sûrement au milieu de la semaine, la vidéo va sortir, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. On parlera aussi dans cette vidéo de la VAR, enfin du VAR, pardon, du VAR, des deux mécanismes de VAR, je vais essayer de vous les expliquer en détail, bien comme il faut, histoire que vous puissiez avoir un bon aperçu de ce qui nous attend, et après du choix, après c'est à vous de faire votre choix, voilà. Voilà, bah c'est tout. On peut attaquer, c'est parti. Allez, on y va, donc les news, c'est parti. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de news. Il y en a que je ne vais pas évoquer parce que, en fait, ce n'est pas des nouvelles qui sont majeures, on va dire ça. C'est des petites nouvelles mineures comme les rehausses de nouvelles TS, enfin, des petits trucs comme ça qui méritent une attention, notre attention, bien sûr, mais pas un focus extrême. Voilà. Moi, il y a eu les nouvelles qui méritent vraiment un focus. Je vous les énonce là. Après, libre à vous de vous dire, les autres nouvelles, oui, les roses de TS, c'est très important, etc. Oui, ça a son importance, mais je pense pas que, bon, je vais pas perdre mon temps à vous énoncer tout ça. Je vais juste vous donner les nouvelles les plus importantes et le petit détail qui va derrière. Allez, c'est parti. Première nouvelle, les rewards de certains persos qui ont été annoncés. Alors, moi, je me méfie de ces trucs-là, parce que on attend toujours le rework du Muller SDF, le rework du Michael, Michael Dreamfest, voilà. Et, notamment, donc on les attend toujours, on les a toujours pas, donc voilà, donc c'est bien qu'ils annoncent des reworks, mais ce serait bien qu'ils les fassent aussi, histoire qu'on soit pas complètement déçus, voilà, donc ça c'est la partie Dreamfest et Super Dreamfest, on a donc Carlos Santana qui est sorti il y a 3-4 ans je crois, donc ça fait déjà un petit moment, Carlos Santana qui a le full Metal Phantom, Rivaul avec la Super Pass, bon, à savoir ce qui sera supérieur au Superstar, ça m'étonnerait fortement, mais il peut peut-être avoir son apport, à voir, donc ensuite le Naturiza Super Dreamfest, attaquant donc avec sa volée haute à 550 et quelques, je crois, donc oui, pourquoi pas, et donc Santana et Naturiza, oui, ouais, c'est des bons persos à prendre, si on rehausse leur truc défensif, ils peuvent être très très dangereux, et puis on aura de la NRS qui va voler de partout. Ça peut être génial si les reworks sont réussis. Ensuite, le libéro Radunga, qui était très très bon aussi à l'époque. Donc, auto-contre. Non, franchement, il était très très bon. Il était très très bon à l'époque. J'espère que son rework sera réussi aussi. Enfin, moi, j'espère que les reworks sont réussis. Après, à voir, hein. A voir, donc Salinas, on n'en parle pas, je supporte pas ce gardien-là, hein. Je supporte pas, je veux pas le voir. Mais bon, si on peut en parler deux secondes, à sa sortie, il était déjà mort, il se faisait carburer depuis les côtés, c'était abominable. Le Shunko Dreamfest bleu, qui était pas mal à sa sortie aussi, il date de très longtemps, c'était un des premiers Dreamfest qui est sorti. Et enfin, l'Espadas rouge, un autre gardien rouge, est-ce qu'il va être bon, c'est pas, c'est à voir. Au revoir. Je m'attends plus trop à des trucs réussis. Hein. Il y a eu très peu de réussites par rapport à la flopée qu'on a eue. On va voir. Je mets une petite pièce sur
sur les Brésiliens Santana, Natureza et Radunga, qui peuvent être des persos très très réussis. Mais voilà. Voilà, à part ça, le reste, je sais pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on continue. Les Dream Collection. Les Dream Collection, donc Oeron, exceptionnel. Exceptionnel à sa sortie, qui était très très bon. Voilà, je vais pas refaire le tour. Le perso était très bon. Vulcan, voilà, vite fait, pas spécialement intéressant. Lenita, qui est très très vieux maintenant. Est-ce qu'ils vont le rehausser à une bonne hauteur pour le mettre à la hauteur des Japonais actuels? Ça pourrait être une très très bonne idée. Ça pourrait être vraiment une très bonne idée. Avoir un deuxième attaquant avec Yuga, ça peut vraiment être intéressant. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Allez, on continue. Je vais vite. Alors, ensuite, on a les 3%. Donc, Pierre, les deux Argentins, Golvan et Diaz. Diaz avec l'interception. Sa grosse inter. Bon. Galvan, on n'en parle pas. On n'en parle pas plus que ça. Ensuite, les persos coffres. Les persos coffres, voilà. Aucun grand intérêt à vraiment en parler. Et enfin, la dernière news. Alors, ça c'est le tableau qu'on va avoir pendant jusqu'à septembre. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tout le tableau. Je vais juste prêter votre attention à ce qu'il y a à droite. À droite, septembre, la deuxième case à droite. Où vous avez Update Battle Pass. Update Battle Pass. Donc, alors, pour faire rapidement, pour vous dire les choses rapidement, ils ont programmé le fait qu'on puisse récupérer les anciens Battle Pass. Donc, qui dit ancien Battle Pass, tout de suite, ça tique aux oreilles des gens. Matteo. Voilà. Donc, on aura peut-être la possibilité de récupérer Matteo. On va attendre la nouvelle officielle. Parce que moi, comme d'habitude, je ne me fie pas spécialement à ces calendriers-là. Donc, je ne m'attarde pas à vous dire oui, est-ce que ça va être exceptionnel? Est-ce que ça va être vrai, nanana, les détails et tout? Je ne connaissais pas les détails. Voilà, ils nous ont annoncé Update Battle Pass. Donc, on va avoir un rework des récompenses Battle Pass. On va avoir un rework aussi, enfin, possible de récupérer les anciens. Comment ou pourquoi, avec quel genre de DB? Je ne sais pas. Voilà. Donc, on va attendre tranquillement la nouvelle. Et puis on verra pour pouvoir les récupérer. Voilà. Ensuite, donc voilà, vous avez le calendrier de tout ce qui est là. Vous avez. On n'a toujours pas l'annonce du troisième portail japonais. Je reste persuadé qu'il va quand même arriver. Donc voilà. Voilà, on n'a plus qu'à attendre de voir. Donc là, je joue nouveau scénario next stream, etc. Voilà, donc voilà les plus grosses nouvelles, donc les rework et surtout l'annonce de l'update du Battle Pass avec la possibilité de récupérer les anciens. Voilà, ça peut être très intéressant. Donc en ligne de mire, c'est Matteo et Napoléon Battle Pass. Le reste, bon, il n'y a pas de quoi se lever le soir, quoi. Il n'y a pas de quoi se lever la nuit. Donc c'est vraiment Matteo et Napoléon Battle Pass. Et encore Napoléon, c'est vrai qu'il conne, mais c'est des circonstances très particulières. On n'a pas de donneur de ballon bas jouable actuellement. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'en plus on a Schneider, donc côté euro, donc il n'y a pas quoi trop s'inquiéter là-dessus. Voilà. Je me fais pas trop de films en me disant que, même si le Napoléon je l'ai, ça c'est pas un souci, en me disant que beaucoup on va les récupérer, le gros focus, ça va être très 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 certainement le Matteo. Voilà. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus. Les nouvelles ont été lancées. Ah oui, un petit dernier truc. Alors, ils nous ont laissé avec un petit spoil. Ils nous ont laissé avec un petit spoil que je vais vous montrer tout de suite. Qui est en fait, c'est une annonce qu'ils nous ont laissé. Je ne sais, qu'est-ce que ça annonce? Je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Oui, je sais, j'ai ma petite idée, mais on peut avoir des surprises. Alors, au premier rapport, moi j'étais dire Soda et Shingo, mais vous savez que Shingo il a pas le t-shirt dans son short, donc et là, vu que le perso il a son truc qui est assez cintré sur lui, donc ce sera pas Shingo. Alors, c'est possible que ce soit Sorimachi, ça a un petit air de Matsuyama, mais je pense pas, vu qu'il n'y a pas le bandeau. Donc, je ne sais pas, ça peut être Sorimachi Soda.
On m'a montré un artwork de Soda qui ressemblait très fortement à l'image qui est là. D'accord ? Mais, on a déjà vu, ils nous l'ont fait des artworks qui étaient sur certains persos, qu'ils ont dérivés sur d'autres. Ok ? Comme Dolman, par exemple, que c'est le premier que j'ai en tête. Merci Sofiane, hein, au passage. Donc, après, on m'a sorti Pierre Napo. Pierre Napo, pourquoi pas ? Pourquoi pas aussi ? Donc, un duo français, est-ce que ce sera très, très certainement un Super Dream Fest ? Vu le truc qu'il y a derrière, ça ne sera pas un... Ça m'étonnerait fortement que ce soit un superstar. Ou alors ça voudrait dire qu'on repartirait sur trois autres portails superstars. Je pense pas. Je pense que ça va être un Super Dream Fest qui va arriver derrière. Peut-être un Super Dream Co. À voir. Mais ça va être un super quelque chose, mais ce sera pas un superstar. Ce sera pas de superstar, ça, pour moi, c'est sûr et certain. Je pense qu'on en a fini avec le superstar et qu'on va repartir doucement sur la petite normalité. Et on aura des rattrapages de superstars plus tard, je pense. Plus tard au cours de l'année. Donc oui, voilà, donc la supposition, soit Soda et quelqu'un d'autre, Surimashi Matsuyama, ou alors la paire française, Napoléon-Pierre. Napoléon-Pierre, ça me semble crédible aussi, vu qu'ils affrontent le Brésil en demi-finale, voilà. Donc, ouais. Ça peut être une surprise, hein, ça à voir. Ça à voir un Pierre récupérateur, un Napoléon buteur, comme d'habitude. À voir. Pourquoi pas. Voilà. Donc, le tour des news a été fait. Le tour des news a été fait. Vous savez ce qui vous attend demain, après-demain et par la suite. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment un complément d'information, avoir toutes les news possibles, vous regardez les news de... vous regardez la vidéo vers... Au début de vidéo, il vous donne à peu près toutes les news. Mais voilà, l'ensemble, je vous ai donné les plus gros. Le reste, vous découvrirez au fur et à mesure. C'est pas si important que ça. Voilà. Donc, tour des news était terminé. On peut attaquer l'analyse des persos. C'est parti. Allez. On y va, premier perso, le milieu de terrain, Taro Misaki, l'artiste inspiré du soleil levant. Alors, il arrive bleu, double poste, comme Tsubasa, donc MOND, avec un nouveau tir à 555, en duo avec Tsubi, donc c'est un tir avec animation que vous avez vu sur en tout début de vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS, donc la passe... Alors la passe, si vous ne l'avez pas récupérée, je me conseille fortement d'y aller. Parce que il n'y a qu'un seul perso qui l'a, c'est le Misaki club japonais. Je crois que c'est ça, je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Soit un club japonais, ou bah, bref, c'est un Misaki particulier qu'on peut récupérer si vous n'avez pas encore récupéré le perso asiatique gratuit. Et que vous voulez pull sur Misaki, allez le récupérer, franchement allez-y. Allez-y, avoir la passe en vol, ça peut vraiment valoir le coup. Alors, donc je vous ai mis les meilleurs tests, il arrive aussi avec la 1-2 Nankatsu. La 1-2 Nankatsu qui était sur le Dreamfest rouge. Donc pas celui de. Pas le dernier, mais celui d'avant. Donc oui, on prend, ça nous évitera d'aller récupérer une TS supplémentaire. Je vous ai mis, donc, comme je vous ai dit, hein, les meilleurs TS, donc le tacle, la sprinter retournée, la super interception, et ensuite le ballon haut et le ballon bas. Alors. Donc 1288 de stam, oui, c'est très bien. Donc le leader skill 28% pour 5 à 5 joueurs Asie bleu, c'est très très bien. On commence à compléter la panoplie. Donc là on arrive au troisième leader skill 28% avec donc Genzo et donc Genzo 28+2 et le Akai Drinko. Merci Mano au passage, hein, parce que j'avais vraiment pas fait attention à ça. Qui a aussi un lead à 28% avec 5 joueurs japonais. Bon, il faudra faire attention à ça, c'est 5 joueurs japonais. Donc, il faudra bien que vous combiniez pour bien avoir les 5. Mais après, si vous mettez 5 joueurs Jap, il n'y a aucun souci. Après, si vous avez que 4 joueurs bleus, vous pouvez ajouter Bunak derrière, mais à ce moment-là, vous serez obligé d'aller chercher un autre 26% ou un 26%. Ça peut être un peu compliqué, mais voilà, c'est 5 joueurs japonais bleus, c'est totalement faisable. Hein. Vous avez Misaki, Wakashimatsu, Sawada, Genzo, ça fait déjà 4. Vous avez aussi Mizugi bleu, vous avez Igawa,
Voilà. Bon, voilà, je vous en ai déjà donné 6. Donc après, ce sera à vous de voir comment vous agrémenter. Mais rien que Igawa, Wakashimatsu, donc Misaki, Genzo et Sawada, vous avez déjà les 5. Vous êtes déjà très bien. Vous êtes déjà nickel. Alors ensuite, donc voilà, donc le troisième 28%, c'est très bien. C'est très bien, on prend, pas de souci. Donc le passif assistance 80%. Donc une fois qu'il est assisté, une fois qu'il assiste, il a 20% de stam en moins. C'est très bien. C'est très bien, on prend, c'est très très bien. C'est très bien. Ensuite, les achats, donc le lien japonais, 10% avec deux joueurs japonais. On prend, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Vu qu'il sera très fortement joué dans une Jap et très fortement avec Tsubasa, il n'y a aucun souci à se faire, ça va être un lien fixe, c'est très très bien. Hotline Tsubasa, donc voilà pourquoi le Tsubi. Donc avec une passe de Tsubi, il prend 5% en plus, c'est bien, on prend ces deux milieux de terrain, même si un joue MO et l'autre joue MD, ils auront toujours une connexion qui est très très proche. Contrairement à s'il y a un MD, l'autre est attaquant, ou un défenseur, l'autre est attaquant, ça fait trop loin. Là, ils sont vraiment en préposé milieu de terrain, donc très facile à faire, très facile à mettre en place, pas de souci. Augmentation de distance, 1-2, plus 50%, c'est très bien. Donc, préposé, arriver très très vite dans la surface pour pouvoir cogner. Anticellement, un anticellement, un petit plus. On aurait voulu un petit 2, mais un, vas-y, on prend, il commence à mettre des 1, un anticellement. On peut craindre l'arrivée des doubles scellements. Ça commence déjà à venir là. Ça commence déjà à venir, même si c'est spécifique avec Christensen et Mika. Mais il y a Bounak derrière. Même si Bounak, il est pas du tout joué. Très très peu joué. Je vois vraiment très peu. Donc voilà. Il faut faire attention à ce genre de perso-là qui se double celle à 100%, ou voire à 80%, qui peuvent sceller n'importe quel TS. Là, on peut se faire avoir. Il faut faire attention à ça. Et enfin, réduit de stam. 20%. Alors, j'ai oublié de préciser, c'est réduit de stam pour Tsubasa. C'est pas pour lui, c'est pour Tsubi. Donc, oui, je sais, j'ai fait une bêtise, je suis désolé. C'est réduit de stam pour Tsubasa. Donc, c'est réduction d'endurance de 20% sur les TS pour Tsubi. D'accord, sachant qu'il a déjà courage, ça en fait déjà un monstre. Ça en fait un monstre, ça va être du même acabit que Schneider. Voilà. Donc, vous pourrez vous amuser avec lui, vous serez tranquille. La combi Misaki, c'est un beau truc. Alors, le plus de ce joueur-là, c'est vraiment, on peut jouer vraiment partout. On peut jouer partout sur les ailes, au centre, MO, MD, il va faire le taf. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faudra juste faire attention à sa stam parce qu'il n'y a pas de courage. Donc attention au tueur de stam, attention au double seller. Au double sellement de TS aléatoire, hein, pas de TS spécifique. Parce que donc les TS, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, mais je le ferai aussi sur la vidéo tuto concernant les sellements. N'oubliez pas que c'est quand il a un anticellement et que le mec scelle deux TS spécifiques, il pourra pas le sceller. D'accord ? Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo, vous inquiétez pas. Là, c'est juste un rapide résumé. Voilà. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire, on prend, il a un lien stable, c'est nickel. Connexion avec Tsubasa, c'est très bien. La distance 1-2, il va être très vite dans la surface, c'est très bien. C'est très bien, c'est un perso complet avec qui vous pourrez tout faire. Avec qui vous pourrez tout faire. Il faudra juste faire attention au double scellement. Tout simplement. Voilà. Voilà, rien de spécial à dire, enfin rien d'autre de spécial à dire sur ce Misaki là. Voilà, c'est un très très bon joueur. Un très bon joueur, ce qui vient compléter la large panoplie des Japonais qui sont très bons. Alors, concernant ce petit tableau là, je vais devoir le changer parce que les statistiques de base ont été changées par club. Et qu'ils ont ajouté certains trucs, je me souviens plus quoi, mais c'est plus ces stats-là, en tout cas, c'est plus les stats, vraiment stats de base. Donc, je vais changer ce tableau-là pour la prochaine vidéo, d'accord? Là, ça va être la dernière fois que vous verrez ce tableau-là. Là, ce sera sur un autre format. Donc, j'espère qu'il sera aussi compréhensible que celui-là. Donc, j'ai pas mis les boosts en match parce que ça servait à rien. Les 100 boosts, pardon. 100 boosts parce que ça servait à rien, vu que c'est un lien constant. Donc, vous voyez, voilà, il est bon partout. Il est bon partout, c'est du 114 000 partout. 114 000 partout, 126 000 en passe, il est très bon, plus le tir, 132 000, voilà. Il n'y a rien à dire, il est vraiment génial, c'est pas exceptionnel, la folie comme ont été Schneider, Rivaul et Roberto, mais c'est vraiment très bien, il y a vraiment très très peu de choses à dire de négatif sur ce Misaki là.
Voilà, donc je vous ai fait une petite compa comme d'habitude. Donc on est toujours à 80%, hein, voilà. Voilà, donc vous l'avez devant les yeux. Il en passe, il est très fort, très très fort en passe. Un petit peu moins en dribble, mais il fera quand même le taf. Donc je vous ai mis les meilleurs compas possibles. Meilleurs compas possibles, Mika, Tsubasa, même si j'aurais pu mettre Sawada, mais Sawada il a vraiment un ton en dessous, et en plus c'est pas un tireur. Donc voilà, non, je l'ai pas mis. J'ai pas mis Sawada. J'ai pas mis Sawada, mais je l'ai plus comparé à Tsubi, à Mika. Même si voilà, c'est pas trop préposé à remplacer, mais je suis parti là-dessus. Je suis parti là-dessus. Donc après, si vous voulez faire des compas avec d'autres persos, vous avez les persos des autres vidéos. Mais faites très attention à ne pas vous tromper de lien. D'accord ? N'oubliez pas que je suis passé à 80 depuis peu. Donc on va faire attention à ne pas vous tromper. Voilà. Mais donc, comme vous voyez, voilà, il fait le taf. Hein. Il fait le taf, même s'il a un petit ton en dessous de Mika et de Tsubasa en truc défensif, en stade défensif, mais il fait le travail. Il fait le travail, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, vous ne prenez vraiment pas la tête. En bonne nature, il va récupérer les balles. Il faudra juste faire... Ouais, je vous préconise juste de faire attention aux Schneider qui sont très boostés. Ou bien que je pense que les Misaki... Mais si vous jouez en Misaki dans une type Jap, il va fortement émerger à 88-90%. Donc face à un Schneider 92, je pense qu'il va faire le taf. Je pense que sans souci qu'il va faire le travail. Voilà, donc voilà. J'ai rien de plus à dire. Vous savez, quand les persos sont très bons, il n'y a pas grand chose à dire. Quoi. C'est des persos qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de jouer. Et qu'on a. Mais est-ce qu'on a envie d'aller les poules? Ça, c'est une autre histoire. Allez, deuxième perso, Jun Mizugi, le prince des pelouses. De jeune homme en bleu qui contrôle le ballon, voilà, qui contrôle le milieu de terrain, voilà, c'est un, voilà, exceptionnel. Exceptionnel, c'est un... J'aime beaucoup Mizugi. Voilà, donc il arrive avec un nouveau tac à 550. Donc il rejoint les tacs à 550 avec Jito et Gentile. Jito et Gentile. Voilà, tac rapide du jeune homme, pas de souci, c'est très bien. Je sais plus s'il fait faute ou pas, je me souviens pas, je vous dirai très certainement ça en description. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Donc j'avance, hein. J'avance, je spoil un peu. Mais il n'est pas célèbre. Donc, c'est très simple. Si vous jouez défenseur, 3 inter, 3 tacles, 1 contre, point barre. Oubliez la TS de relance, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il a vous verrez par la suite qu'il a un paramètre de stat qui est très bon pour la relance. Mais je vous conseille très fortement... De blinder les TS défensives. 3 inter, 3 tacles. Comme ça, vous êtes tranquille face au Mika, face au Christensen. Vous êtes tranquille. Voilà. Donc, et vous verrez, c'est très surprenant. Quand les Mika arrivent sur le perso et il dit, ouais, je vais dribbler, il va faire, ah merde, il y a un troisième tacle. Ah, eh. Donc, il va coincer un petit peu. Et puis voilà, ça va le forcer à réfléchir. C'est très bien. C'est très bien. C'est un très très bon truc. Donc oui, 3 inter, 3 tacles, 1 contre. Voilà, allez pas plus loin que ça, vous prenez pas la tête. Il n'y a pas encore de perso qui scelle deux fois. Ou d'attaquant qui scelle une fois. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à part Brian. À part le Brian rouge, mais le Brian rouge, il n'est plus joué du tout. Il a été remplacé soit par le vert, soit par le bleu. Soit par le vert 3%, soit par le bleu Dreamfest qui 30% d'auto-inter à toute l'équipe. Ou... le Brian Bleu Dreamfest, le Brian Bleu Super Dreamfest qui a concentration. Voilà. Donc le rouge, vous pouvez l'oublier. Mais voilà, vous avez un compte, partez sur ce truc-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partez là-dessus. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Vous êtes vraiment en paix. Donc, allez, après ce petit conseil, je vais vous le renouveler à la fin, vous inquiétez pas. On continue, donc le Leader Skill, 28% avec les 5 Asiatiques bleus. Comme Tsubasa, sauf que Tsubasa il a le plus 2%. Donc on prend, c'est le deuxième leader skill rouge. Je sais pas s'il y en a un troisième, je m'en souviens plus. Il faudra que j'aille le chercher. Dites-moi en commentaire si lequel que c'est, comme ça orientera tout le monde. C'est très bien. Alors, renforcement inter-retour, j'ai pas le pourcentage, mais c'est soit 80, soit 60%. Ce sera pas en dessous. C'est soit 80, soit 60%. Ce sera pas en dessous. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, on continue. Stimulus joueur asiatique. Donc, s'il gagne un duel, plus 8%, c'est énorme. Mais que pour les attaquants et MO asiatiques, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ça à tout le monde? C'est fortement dommage. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pour pouvoir nerfer Genzo? C'est à voir.
Mais franchement, ouais, mettez-le. Mettez-le. Mettez pour tous. Mettez pour tous. Ça les rendrait vraiment énormes. Ce serait monstrueux. Ce serait vraiment monstrueux si ça aurait été 8% pour tous les joueurs asiatiques du terrain. Mais ils ont mis attaquant MO. Vas-y, pourquoi pas. Pourquoi on prend, c'est vraiment un plus. On va pas cracher dessus. 8%, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ensuite, le full mat, donc 10%, on prend. C'est très bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas pourri non plus. Donc, il sera pas nul en fin de stam. Donc, c'est bien. C'est bien. On prend tueur de joueurs européens, plus 5%. Il est rouge contre Schneider. C'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est parfait. Ensuite, il a 10% de chic pour lui-même, tout comme Genzo. C'est parfait aussi. Franchement, c'est très bien. Réduction de stam 20%. C'est parfait aussi. Il a vraiment un très bon kit. Il a vraiment un kit génial. Le seul truc qui lui manque, c'est l'anticellement. Sinon, il a tout. Il peut défendre sur tous les fronts de l'attaque. Il ramasse KHS. Il ramasse KHS. Tac, contre inter, il le prend. Alors, en plus, il a la couleur parfaite pour. Voilà, c'est un vrai Mizugi. Un Mizugi rouge comme on les aime, comme l'a été le Mizugi fantôme. Le premier Mizugi fantôme qu'il y a eu. C'était un Rising Sun qui avait auto-inter plus défense furtive. Il était exceptionnel. Il était exceptionnel. En fait, vous imaginez, pour ceux qui ne l'ont pas connu, le Stein rouge. Le Stein rouge, là, qui est le dernier qui est sorti. Mais sauf en défensif, et qui sait défendre. Voilà. Parce que le Stein, là, en défensif, il est un peu nul. Défensif, il est un peu. J'ai bien dit un peu. Commencez pas à me sauter dessus. J'ai dit un peu. Bref, allez, donc voilà, donc il est capable de défendre sur tous les fronts de l'attaque. Il s'est relancé, mais comme je vous ai dit, par rapport au fait qu'il soit sellable, c'est compliqué de lui mettre des TS de relance. C'est compliqué de mettre des TS de relance, surtout si vous affrontez des Mika. C'est pas, je vous conseille pas trop. Je vous conseille vraiment pas trop. Voilà, mais sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, vous voyez par vous-même. Voilà, en dribble, il est très très fort. Il est un peu comme Bunak. En dribble exceptionnel, en passe un peu moins. Mais il est quand même très bon. Tacle contre inter. Il n'y a rien à dire. C'est nickel. Là, donc, en fait, je vous ai mis donc, le 100 boost. En fait, c'est juste le full might. Et le boost, c'est avec le 5% européen. Vous voyez que contre les Européens, il va faire un carnage. Ça va être un carnage absolu. Voilà, donc après ça veut pas dire que si il est face à un japonais ou à autre chose, il va pas faire le taf. Bien sûr que si, je vous assure qu'il fera le travail. C'est pas parce que j'aime beaucoup Mizugi qu'il le fera pas que je dis ça, mais je vous assure qu'il fera le travail. Il y a aucun problème là-dessus. Vous avez rien à craindre. Voilà. Alors ensuite, pour terminer avec Mizugi, donc on est toujours à 80%, n'oubliez pas la petite comparaison. Là j'ai rajouté Kals parce que ça vaut le coup de le rajouter. Ensuite, je vous ai mis les défenseurs rouges. Les meilleurs défenseurs rouges, donc Ishizaki et Soga. Donc, j'ai eu un petit retour très, très bref de... Ouais, comment ça, Ishizaki? Oui, Ishizaki est très, très fort. Il est exceptionnellement fort. Il est très, très fort, ce Ishizaki Collège. Il n'est pas énormément joué parce qu'il est plus... Soga est préféré à lui parce que Soga est résistant. Sine qua non, tout ce que vous voulez, must to have, face à des tireurs comme Schneider, et des tireurs de côté et tout, donc voilà. Là où Ishizaki peut pas faire grand chose, même s'il a des meilleures stats, c'est plus intéressant d'avoir de jouer avec un Soga. Voilà. Mais si vous l'avez pas Soga, Ishizaki fait très bien le travail, bref. Ça, c'était la parenthèse Ishizaki, excusez-moi. Donc, donc vous voyez que par rapport à Kals, on n'est vraiment pas loin. Vous voyez, il a des très très gros paramètres de dribble, mais c'est face aux Européens, donc faites attention. Ça veut dire que face à d'autres, il sera un peu moins bas, mais comme je vous l'ai dit, il fera quand même le taf. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en matière de tac, interception contre, c'est énorme. C'est pas loin, vous voyez, c'est pas loin. Ça commence à se rapprocher du Kals. Bien que Kals, c'est contre tout le monde. Et Mizugi, ce sera face aux Européens. Donc, face aux, en dessous, si c'est pas face aux Européens, il sera légèrement en dessous. Il sera légèrement en dessous, peut-être du 650 000 ou 650 000 en tape, 658 000 en interception, 675, 680 en contre. Voilà, ça va être dans ces eaux-là, mais
ça, il va faire le taf. Il va faire le taf et il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Voilà, voilà. Donc, l'analyse est terminée. Vous avez vu un peu la teneur des persos. On passe tout de suite à la troisième partie. Let's go. Dernière partie de la vidéo. Alors, la grande question du jour, est-ce qu'il faut pool ? Alors, on va commencer. On va commencer par le plus rapide. Si vous jouez japonais, bien sûr qu'il faut pool. Vous n'avez pas de question à se poser. Poulez-moi ça, récupérez-moi les deux. Et là, vous êtes bien. Par contre, il va falloir que vous fassiez attention à comment vous allez organiser votre défense. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde en défense. Comme les non-jap où vous avez où c'est blindé au milieu de terrain et en attaque, là. Question japonais, en défense, c'est aussi, tout aussi blindé. Vous avez Soga, Igawa, Akai, Soda, Oeron, même si Oeron, on va tendance à plus pouvoir le jarter. Vous avez beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de monde en défense. Et là, il va falloir rajouter Mizugi à savoir où vous allez jouer. Est-ce que vous allez jouer en défense centrale ou sur le côté, en tant que latéral, ou en tant que MD ? À voir, je vous laisse le choix. Il peut prendre tous les postes. Donc, vous êtes très bien de ce côté-là. Mizaki, est-ce que vous allez jouer MD ou est-ce que vous allez jouer MO ? C'est à voir si vous avez pu se l'orienter vers le profil buteur ou pas. Ou récupérateur pour pouvoir relancer. Certains le font avec Tsubi hein, en tant que MD. C'est absolument pas dérangeant. Le seul souci, c'est que Mizaki n'a pas l'auto-inter. Donc, les verts, ils risquent de se faire sauter comme un mouton. Voilà. C'est son seul défaut, mais à part ça, il est très très bien. C'est pour ça aussi que moi, je le remettrais plus orienté MO plutôt que MD. Voilà. C'est juste par rapport à ça. Sinon, pas de souci là-dessus. Ensuite, donc ça, c'est côté Jap. Côté non-Jap. Alors, côté non-Jap, vu que c'est un double portail. Si vous manque un défenseur, vous pouvez vous orienter vers Mizugi. Vous voyez bien qu'à 80%, il fera le travail. Vous pouvez vous orienter vers Mizugi. Il a la différence couleur pour pouvoir arrêter Schneider. Parce que Schneider, c'est l'attaquant phare de ces temps-ci. C'est lui qui marque quasiment tous les buts. Il faudra faire attention à Rivaul, à tous les attaquants bleus à venir. Mais vous pouvez, même s'il n'a pas les boosts, vous pouvez quand même le pull, il fera quand même un super travail si vous manque des défenseurs. Si vous manque des défenseurs rouges, surtout ceux qui jouent Sudam, surtout ceux qui veulent absolument jouer Sudam, vous pouvez partir sur une compo Jap Sudam et mettre Mizugi dedans, ça fera le travail. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous jouez européen, vous êtes déjà quasiment calé niveau défenseur. C'est un petit plus, mais. C'est à voir si vous êtes vraiment très boosté ou pas, si vous êtes vraiment une team optimisée. Bon, après, je ne vais pas vous apprendre, hein, c'est que vraiment ces teams-là, vous savez très bien si vous devez le pull ou pas. Mais si vous n'êtes pas super calé en optimisation de team, en team building, etc. Et si vous manque un défenseur côté européen, oui, vous pouvez pull. Si vous êtes focus Sudam, oui, vous pouvez pull. Si vous êtes japonais, bien sûr qu'il faut pull, c'est un must to have. Pour moi, c'est un défenseur qu'il faut avoir. Et lui, autant que Mizaki, c'est de très très bons joueurs. Voilà. Et les deux sont très bons, mais le plus, et les deux sont plus, mais le plus, va aller sur Mizugi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai rien plus à dire. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les poules. On se retrouve très bientôt pour la vidéo que je vous ai annoncée. Je vais essayer de me dépêcher de la terminer, de la finaliser, etc. Pour vous donner un truc bien propre, bien sexy, histoire que vous preniez plaisir à regarder, etc. Donc, voilà. Donc, je vous remercie encore du soutien apporté, de tous les commentaires que vous me laissez, des remerciements. Voilà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, qui m'aide à avancer plus. Je sais pas encore si je vais agrémenter les vidéos d'autres choses concernant Captain Tsubasa, mais vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que je vais pas faire une vidéo pour raconter la vie du jeu. Je ferai pas ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis vraiment axé sur le jeu. Vous donner les news du jeu, vous donner un maximum de tips pour pouvoir progresser dans le jeu. Ah oui, par contre, je ferai pas non plus de trucs concernant le gameplay parce que je suis pas très doué là-dessus.
Je sais jouer, oui, mais pour expliquer comment on fait quoi et tout, j'aurais du mal. J'aurais du mal, donc je préfère ne pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui pourront vous aider sur comment faire tel ou tel truc. Il n'y aura pas de souci là-dessus, voilà. Et après, vous pouvez me poser des questions, je vais essayer d'y répondre autant que je peux. Et voilà, puis vous aider au maximum, quoi. Donc, comme je vous ai dit, donc bientôt, au cours de la semaine, ça va être soit mardi soir, soit mercredi, je vous sortirai la vidéo tuto qui fera un large récap de tous les trucs à savoir, les bons types à savoir, donc le marquage défensif, le double anti-cellement qui sera expliqué, pourquoi celui-là il scelle, le passif de Schneider, que je vais vous décortiquer correctement, parce que moi on m'a sorti un truc il n'y a pas longtemps que je ne savais pas. Peut-être que vous savez, vous allez vous dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr qu'on savait déjà, bon bref, voilà, mais là c'est un truc que j'avais mis de côté. Il y aura aussi des descriptifs du truc de surface, du résistant aussi, je vais essayer de vous l'expliquer correctement. On parlera aussi du VAR. Du VAR, je vais vous détailler les deux trucs qu'ils nous ont donné. Les deux versions qu'ils nous ont donné, donc la V1 et la V2. La V2 qui est en cours actuellement jusqu'au 3 août, jusqu'à la fin de la semaine. Je vous donnerai tout, comme ça, ça vous aidera à faire votre choix. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine à vous, et à très bientôt. Et bien sûr aussi, bonne chance pour ceux qui vont poule demain. Allez, ciao.